pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer la vidéo tout seul, mais arrivé vers le milieu, on sera deux. Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler du catch. On va commenter le catch, parler du catch et tout et tout. Et avant cela, on va accueillir le célèbre catcheur masqué, Rémy Mysterio. Bouillaka, bouillaka, 609. Bouillaka, bouillaka, 609. Bouillaka, bouillaka, 609. Bonjour monsieur Rémy Mysterio. Qui vous? Ouais, je suis comme commentateur. C'est chiant. Ah oui. Moi là, moi je suis ouf moi. Voilà. Moi je suis un catcheur très. Il manque juste le truc là, là. La ceinture. Moi je veux la voir. Parce que moi je suis un vrai catcheur moi. Et un masqué. Et aujourd'hui je vais enlever mon masque. Je vais pas tarder à l'enlever. Faites très attention, prenez tous en vidéo. Je vais l'enlever. Tu parles de célèbre catcheur. Écoute, moi dans le dos, il est tombé comme merde. Bon bref. Voilà, c'était un petit début de vidéo assez cool. Et là, aujourd'hui, on va vous parler du catch. Alors, ce qui est un peu gênant dans le catch, c'est qu'ils savent déjà à l'avance qui va gagner. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Nous, on regarde la télé, on va se dire, putain, c'est Big Show qui va gagner. Mysterio. C'est Rémy Mysterio. Ah oui. C'est complètement dégueulasse. Ouais, voilà. Et aussi, on va parler du catch. Qu'est-ce que t'as brûlé, Rémy Mysterio, tout ce bâtard, là. Le team Mysterio. Bon alors moi je voulais surtout dire aussi que je regardais le catch il y a très longtemps et je me disais franchement ils donnent des putains de coups de poing, des coups de pied de ouf. Ils ont même pas une marque, ils ont même pas du sang. Mais en même temps quand on grandit un peu, on sait que c'est des qu'ils se donnent pas vraiment les coups de poing. Ouais, je encore heureux hein, parce que j'imagine pas ceux qui sont à l'hosto. Je commence à me dire franchement bon, maintenant, franchement, c'est pour les gamins. Bon, je regarde plus. Et voilà. Ah bah, voilà. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais aussi, alors, pourquoi ils ont mis des filles dans du catch? Sérieux? Ça n'a rien à voir avec le catch, des filles. Elles vont se tirer les cheveux, faire ah, c'est tout ce qu'elles vont faire. Franchement, moi, les filles, je dirais que j'arrête de me mettre dans le catch. Hein, parce que ça sert à rien. Bon, c'est que je m'en fais, tiens. Moi. Personne me bat moi. Bon salut. Apparemment c'est des gens blablabla. Ok. Abonnez-vous sinon je vous défonce. Abonnez-vous sinon je vous défonce. Et mettez j'aime, mettez des commentaires. Sinon moi je vous fais le 609, ok. J'espère que vous avez bien compris.